Les travaux de construction du centre hospitalier universitaire d'Abobo, CHU d'Abobo, coûteront 80 milliards de FCFA. Le Premier ministre, Patrick Hatchi, a procédé, le samedi 30 juillet 2022 à Abidjan, au lancement des travaux de construction du centre hospitalier universitaire, CHU, de la commune d'Abobo, d'une capacité de 600 lits. La nouvelle infrastructure sanitaire sera dotée de 6 pôles. Cet établissement sanitaire, qui a mobilisé une enveloppe budgétaire de 80 milliards de FCFA, sera construit sur une superficie de 18 hectares, avec des bâtiments en R+2. La nouvelle infrastructure sanitaire sera dotée de 6 pôles. Notamment, un pôle mère-enfant, un pôle tête et cou, un pôle ostéo-articulaire, un pôle abdomen, un pôle médecine et un pôle infectieux. Elle comprendra également un centre d'hémodialyse avec 50 générateurs. Selon le chef du gouvernement, la réalisation de cette infrastructure sanitaire phare du pays est une preuve majeure des actions concrètes du gouvernement dans le domaine de la santé. Patrick Hatchi a rappelé les efforts du gouvernement depuis 2012 ayant favorisé l'accès de tous aux soins de santé. Ces efforts se traduisent, a-t-il fait savoir, par l'adoption en 2017, d'un programme hospitalier de 850 milliards de FCFA, prévoyant la construction, la réhabilitation et l'équipement de plusieurs établissements sanitaires sur l'ensemble du territoire national. La carte sanitaire du pays se transforme à marche forcée pour le bien-être des populations. Le Premier ministre a également indiqué que le programme social du gouvernement, PSGOUV, dans sa phase 2 prévoit la construction de plus de 200 établissements sanitaires de premier contact et la réhabilitation de 400 d'entre eux est en cours de réalisation. La carte sanitaire du pays se transforme à marche forcée pour le bien-être des populations et la réalisation de la Côte d'Ivoire solidaire, a relevé le chef du gouvernement. Lire aussi infrastructure sanitaire, lancement des travaux de construction du CHU d'Abobo ce samedi. Il a expliqué que la construction des hôpitaux a été érigée au rang des priorités stratégiques parce qu'elle constitue un levier essentiel du développement du capital humain et du progrès économique et social d'une nation. Le délai d'exécution des travaux du futur CHU d'Abobo est de 36 mois.